Ma femme est une candidate de télérité, bien sûr que. Allez, c'est parti. Ma femme est une candidate de télérité, bien sûr que. J'ai mis un an. Il adore, ça, il adore. Ok. Mathieu, show me. I think you can do it. You're a strong boy. Let's go, big jump, big jump. Mathieu, attention, Mathieu, Mathieu. Yeah, one more time and then we're gonna move on. Are you a baby, Milo? Are you a baby? You are not a baby. I want you to be strong. You need to reach and then I help a little bit, okay? Let's go. Oh, he's got a car with him. We looks like we're gonna be doing backflips. But you need my two baby. One more time. Elbow, yeah, body, big pull, big pull. Pull with the shoulders, pull with the shoulders. Pull. Allez, pull. Allez Milo. Pull. Yeah. Come on, don't give up. Come on. Pull. 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 You got it, yes. You got it, my man. Better. C'est bien Milo. Tails okay? Sweet. Now, remember what I did? Deep breath. We want to be Spider-Man. Yeah, but we want to be calm. When we're up high. I can't do Spider-Man. You have to Milo. No falling. Milo? Ouais, j'ai dit. Now you're ready, Spider-Man. Let's get it. Remember, strong legs. Strong legs, okay? Let's go. Yeah, better, almost. But we need to make sure those legs are strong enough not to fold onto ourselves. That's okay? Why it's not funny. It's okay, Milo. Dimi. T'as mangé quoi? T'as mangé quoi, Mathéo? Comme. Comme. Montre-moi ce que tu manges. Oh! Et montre-moi. Oh! Oh, oh, oh! C'est bon? Piu piu. Montre-moi ton bidon. Oh là là! Eh ben dis donc. Finish. Finish it? Non. Non, non. Hein. Pas du tout, en fait, ce qu'on fait dans la télé, on fait une journée de tournage. Et où on a tourné la veille, etc. Et après, quand on fait les interviews, quand vous nous voyez assis sur une chaise, quand on parle devant la caméra, on reprend ce qu'on a fait. Il y a une journaliste et le cadreur, donc le caméraman, et ils nous disent pas de quoi dire, ils nous posent des questions. Donc aujourd'hui, par exemple, on est parti au parcours avec Milo. Mathéo, aujourd'hui, on est parti au parcours. Est-ce que vous êtes fier de Milo? Elle est très fière. Vous avez vu que Milo, bon, mais Mathéo s'est blessé. Qu'est-ce que ça fait de toujours voir Mathéo qui se blesse, etc. Et nous, on reprend, en fait. Ils nous disent pas de quoi dire, ils nous posent juste des questions. Mais jamais c'est dicté, que ce soit pendant le tournage ou pendant l'interview. C'est vraiment naturel, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Mathéo? Tu m'as entendu, toi, hein? Non, Mathéo. Mathéo, va te laver les mains, mon amour, et la bouche. Allez, va te laver les mains. Non, 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 vous n'avez toujours pas raté l'annonce du déménagement où on part. On l'a toujours pas fait. On est vraiment des mauvais élèves, bébé, sur ça. Par contre, on met plein de TikTok sympas en ce moment, si vous voulez voir nos TikTok. Vraiment, on pose des trucs trop mignons, surtout avec les petits. Mais il faut vraiment qu'on annonce le déménagement. Mais en tout cas, on a commencé les cartons, comme vous avez pu voir. C'est dingue, vous êtes tellement bébé. On m'a encore dit que je ressemblais à Jim. Carré. Il y a des fois, je sais pas pourquoi, je dois faire des expressions et je dois lui ressembler. Et c'est un acteur extraordinaire, donc je prends ça comme un compliment.
Alors moi j'ai un, comme je l'ai dit, j'ai le sèche-cheveux Tyson. Il est bien. Mais je peux pas non plus dire que c'est un truc de ouf, tu vois. Mais il est bien, il est bien. Tu n'as rien organisé à l'occasion de la fête des mères pour Hillary. C'est lamentable. Tu as juste su l'amener au crossfit, la pauvre. C'est triste comme journée spéciale. Bon, déjà, on n'a pas fait que ça. Le matin, on est parti à l'hôpital faire ses examens pour son sein. Et ouais, on est parti au crossfit, mais on s'est pas entraîné, on a fait des vidéos. Et elle m'a filmé. Mais on a passé une très belle journée. Après, on est parti avec les petits. C'était super. Elle est dans un parc avec les petits. C'est vrai que c'était pas la meilleure journée des fêtes des mères que t'aies pu vivre entre nous. Mais, mais au fond de toi, est-ce que t'étais heureuse? Bah oui. Et on fait tellement de choses tout le temps. Les amis, on fait tellement tout le temps des choses tout le temps, que ce soit pour la télé. Tu veux quoi pour la fête des mères? Tu veux quoi? C'est... Attends, on vient de passer 3 jours dans un hôtel de dingue, à faire des trucs de dingue, dans des restos de dingue. On a de la chance de pouvoir faire beaucoup de choses. Tout en restant simple, parce que les gens ils disent oui, vous êtes simple, mais avec tout ce que vous faites, vous n'êtes pas vraiment simple. Bah, si, au contraire, avec tout ce qu'on fait, on reste simple, malgré tout ce qu'on fait. C'est ce que j'ai fait. On a la chance de pouvoir être invité. On a la chance, et on fait pas. Ouais, la chance, on est invité grâce à Hillary qui a une vraie communauté sur les réseaux, donc forcément, on a la chance à Dubaï de pouvoir être assez invité, mais c'est pas pour autant qu'on se la pète, etc. On est loin de tout ça. Les amis, je jure, je sais que pour vous, le crossfit, quand vous voyez Hillary faire du sport, vous pensez que c'est trop, que c'est extrême, parce que peut-être de l'extérieur, si on connaît pas forcément, ça a l'air, mais non, ce qu'elle fait, c'est très adapté. On fait de la gymnastique, de l'haltérophilie, du cardio, chaque jour c'est différent, et c'est super, vraiment. Après, ce qu'elle a, les gens disent qu'elle peut continuer le sport, tous les médecins, les chirurgiens disent qu'elle peut continuer le sport, qu'il faut pas arrêter. Donc on croit ce qu'ils nous disent, quoi. On va pas arrêter de vivre parce qu'elle a une douleur. Faut juste trouver d'où vient la douleur. Ça doit être une petite déchirure musculaire et on aurait vraiment le comprendre. Et si c'est vraiment ça, là, il faudrait vraiment qu'elle fasse du repos. Mais de toute façon, elle a prévu de prendre 2 semaines de repos très bientôt sans faire de sport. Donc à ce moment-là, on pourra voir. Bon, bah, je reprends les petits messages que j'ai vus de la fête des mères. Merci à vous. Voilà, juste merci Sonia. Merci à vous tous.